j'ai décidé que j'allais me relooker. Je suis devant une galerie marchande. Le temps est idéal. Il est pourri, donc super, je vais pouvoir m'enfermer. Il est 13h, je vais déjà aller manger. J'ai envie, c'est très précis ce que je veux, déjà des robes longues. Je privilégie maintenant le confort, et évidemment, il faut que ce soit joli. C'est fou, c'est là que tu te dis que tu as quand même évolué avant. C'était plus, ouais, tant pis, si je suis pas confortable, faut que ce soit super beau. Là, c'est pas que je m'en fous, mais priorité au confort. Et je vais en profiter, parce qu'il y a Maison du Monde pas loin, pour enfin aller acheter les cadres manquants. Mais comme une imbécile, je suis partie trop vite, j'ai oublié, je voulais mon papier peint. Une chute au moins pour avoir un modèle, voir comment ça match. Mais j'ai des photos, ça va le faire aussi. Eric était à deux doigts de venir avec moi, il était prêt et tout. Et j'ai vu qu'il le faisait pour me faire plaisir, mais je lui ai dit coup de bébé, je pense que ce sera mieux si j'y vais toute seule. Parce que, en fait, moi quand je fais du shopping, j'aime pas sentir que... Enfin, j'aime bien être toute seule. Aller à mon rythme. Par contre, je me suis habillée comme ça, j'ai rien d'autre. 15 degrés, il fait. Chez moi, il faisait bon. Je me suis dit, bon, il va faire dans les 25, tu parles. J'ai pris une petite part sur une pizzeria qui fait aussi café de Margarita, la bouteille d'eau. Vous voyez, c'est ici. Alors, j'étais déjà venue, ils font des glaces de fou, des crêpes, des gaufres. Dolce Café. Voilà. Ça, c'est pas mal pour commencer le shopping. Il est exceptionnel. Je suis venue comme ça, c'est possible d'être prise du semi, pardon. C'est vraiment à tout hasard. Hein. Dans 20 minutes, oui. Eh ben nickel. Ben voilà, fallait tenter. 14h, c'est dans 20 minutes. Je vais en profiter, je vais aller chez H&M pour les petites robes. Finalement, c'est pas plus mal qu'Eric soit pas venu, parce que je sens que je vais en faire des choses. Alors... purée... ça, c'est un look de shopping. Step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Alors, bon, j'ai trouvé deux hauts et un soutien-gorge. Mais là, il est 14h dans, je crois, 2 minutes. Je sais pas quelle couleur je vais faire. J'ai eu une cliente hier, elle fait pas de pause et ses ongles, ils se sont même cassés à ce niveau-là. Ah, mais je sais, il faut faire ça. Moi, là, j'ai fait une pause d'au moins un mois et deux mois, je dirais. Mais après, c'est vrai que moi, si je mets du vernis classique, c'est ça tient une journée. Ah bah, c'est très moche. Au niveau de la forme, vous me dites, ou si on raccourcit... Non, c'est bien, non, c'est bien. J'hésite entre le géranium ou plus flashy capucine. Ouais. Pas grande différence, mais un peu quand même. Ça y est, je suis sortie. Du coup, j'ai choisi le capucine plus intense. Je vous montrerai peut-être mieux tout à l'heure. Par contre, 42 euros quand même. Je crois que moi, c'est... quand je vais dans mon institut, c'est 20 euros ou 25, je crois. Hein. Alors, je vais aller chez Promode, Morgane, Pinky et Naf-Naf. Alors, je suis chez Naf-Naf, j'ai essayé cette robe chez Promode. Mais c'est dommage parce qu'elle a l'air jolie, elle est jolie. Mais il y a des trucs qui vont pas. Ici, déjà, ça se tient pas. Et là, j'aime pas le côté de couche, vous voyez. Ça fait comme s'il y avait un. J'ai vu mon jean, j'ai eu flemme d'enlever. Et surtout, elle est hyper trop longue en fait. S'il faut faire déborder, c'est un peu chiant quoi. Et sinon j'aime bien regarder avec les bandes derrière, le truc là qui pend. Il est 16h, presque 10, je me pose avant de repartir à Maison du Monde. Je suis contrastée, j'ai trouvé des trucs cool, qui me plaisent, mais j'ai pas trouvé ce pourquoi je venais, c'est-à-dire notamment des robes. J'en ai essayé, vous avez vu juste avant, mais soit ça faisait mes mères, soit c'était hyper long, soit c'est... enfin, il y avait des trucs qui allaient pas. C'était soldé et parfois c'était même très soldé et je sais pourquoi, parce que vraiment la coupe ça n'allait pas, ça vaillait, bref. Donc là je vais chez Maison du Monde, à côté, j'espère que je vais trouver ce que je veux et puis je vais rentrer je pense après. Je suis devant chez Maison du Monde, regardez, des soldes partout. Il se pourrait bien que j'ai trouvé quelques petites choses, mais rien pour le mur, je suis dégoûtée. Il est déjà 19h, bon. Je suis rentrée, ce que je veux dire, donc je n'ai pas trouvé, mais j'ai une petite idée. Il y a plein de choses, j'ai trouvé plein de choses qui vont m'être très utiles. Le truc c'est que là, j'ai dit Eric, allez viens, on va aller manger quelque part. On a déjà tout fermé, c'est pour ça que c'est sombre, et regardez, j'ai fait un petit cadeau Eric.
Cadeau utile, il n'en avait plus. C'est vrai qu'ils sont bons, mais pas l'eau de parfum. Je crois que c'est l'eau de toilette. Enfin, plus léger pour l'été. Ça va lui durer au moins un an. Somme le lendemain, je vous reprends que maintenant, parce qu'hier soir, bah, on est allé manger au resto. Et puis, pour vous présenter les fringues, ça aurait pas été évident avec la luminosité. Je vais vous montrer. J'aime bien parce qu'en tout début de vidéo, je vous ai dit relooking, tu parles. J'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Je vais vous montrer les quelques vêtements que j'ai pu choper. Et quelques petites choses cosmétiques également. Et par contre, toute la partie qui est beaucoup plus importante déco, donc Maison du Monde. Ah non, je ferai une vidéo dédiée. Et bien évidemment, ce qui est à essayer, bah, j'essaierai avec vous. Ah bah voilà, ils décident de jouer. Alors déjà, la robe que vous avez vue dans la vidéo orange que j'ai essayé chez Morgane, très jolie au demeurant, mais j'ai rien compris. Très honnêtement, il y a tout ça. Donc c'est une robe, c'est la robe d'Iris Mittener, Miss France, Miss Univers même, je crois qu'elle a été. Il faut faire 1m75 minimum pour que ça convienne. Non mais je déconne pas en fait, à tout point de vue. C'est trop grand, de là ça blousait, la longueur, bah, il y avait au moins ça, même si j'avais pas mis vraiment de talons. Décevant, mais très joli. Alors, je commence par, chronologiquement, H&M. Soutien-gorge, trop contente, j'avais acheté le même, qui était un peu juste d'ailleurs, donc j'ai pris une taille au-dessus. Celui-ci, je l'ai pris en rose très très clair. Je l'ai payé 17,99€. De plus près, la petite dentelle, toute mimi. Toujours chez H&M. Je vous ai dit, hein, moi je privilégie aussi le côté confort. J'ai pris taille S, c'est une coupe assez ample. Je vais le mettre juste après. J'ai pris ça, alors c'est un basique, très confortable, gris. C'est abusé, il n'y a vraiment pas grand chose. Attends, ah si, il y a le petit pull aussi, il faut que je vous montre, il est trop beau. Donc comme ça, c'est un col rond. Mais je sais que ça va être pratique et c'est légèrement en bas comme ça. J'ai pris M pour être à l'aise, 9,99€. Et je reviens avec ce pull marron. Qui coûtait 19€, donc de chez Kiabi, 18€, et je l'ai eu, bien évidemment, en solde à 5€. Et il est trop beau, il me va très très bien. J'adore, moi, dès l'instant où tu as une petite manche légèrement bouffante, je vais essayer celui-là d'ailleurs. Oh merde, c'est un peu transparent, là, j'avais pas vu venir celui-là. J'aime beaucoup, hein. Très confortable, mais c'est moi ou il est un peu transparent? Ouais, bon, ça passe. Franchement, ça, il est magnifique. Alors, au début, je croyais qu'il était noir. Et à la caisse, sous les projecteurs, il était marron. Elle m'a dit oui, effectivement, et c'est marron. Ça, je valide. Je vous essaie celui-ci. Bon, alors, pour celui-là, je vais être obligée de vous montrer. Très American. Si je vous pose ici. Oui, bon, ça va, franchement, c'est confort. Attends, stabilise. C'est pas ce qui me va le mieux, ce qui rehausse vraiment le teint, mais je vous avouerai que bah, pour le coup, là, hyper confort. Là, maintenant, le gris basique. Bon, c'est rien de fifou, hein, mais... Ouais, moi, ça me plaît, j'adore. Très confortable, j'aime beaucoup. Voilà. Évidemment, le soutien-gorge, je vais vous le montrer. Et je passe... Attends, hops. Ensuite, au niveau cosmétique de la beauté, donc j'ai pris pour Eric ce que je vous ai montré, le parfum. Je suis allée en parapharmacie, j'adore ça. Je me suis pris une crème de jour. Je me la pète maintenant, j'adore, regardez, mes ongles. Avant, je l'ai cachée. J'aime bien me mettre les bagues, ça fait sympa. Eucérine avec un indice protecteur de 30. Hyaluron filler, trois effets qui va venir combler, stimuler, protéger. Haute efficacité anti-rides. Ben oui. Et c'est une nouvelle formule. Bon, ça date de 10 ans, la nouvelle formule. De la même marque, j'ai pris le sérum, même si il me reste des sérums, des super sérums, mais je sais pas comment vous dire, c'est ma passion de tester les soins. On est toujours sur de l'anti-âge. Booster d'hydratation première. Ah merde, je me suis trompée! Première ride. Bah non, 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 j'ai pas 25 ans, justement. Repulpe, hydrate, rafraîchi. Bon. C'est bon, bah voilà. Ensuite, donc chez Nocibé, j'ai pris juste le contour des lèvres parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que mes contours des lèvres, donc j'utilise, à un moment donné, il n'y en a plus et je n'avais pas de taille crayon et du coup, c'est très très dur de les ravoir. Donc j'ai repris celui-ci déjà, Rosy Pétale. Voilà, comme ça. Ah,
Alors ça, ça va vraiment à pas mal de carnations. Et évidemment, tant qu'à faire, j'ai pris, voilà, petit taille crayon avec deux embouts, donc pour les plus ou moins gros crayons. Top. Ça, c'est bien. Moi, j'ouvre pas. That's all. J'ai eu plein d'échantillons, mais ça, je vous montre pas. Et puis, c'est tout. Comme je ne m'avoue pas vaincue et je veux absolument vraiment me trouver des robes, des tenues un peu différentes que je mets d'habitude, et bah, j'irai voir dans d'autres enseignes et je suis sûre que je trouverai. Et si je ne trouve pas, bah, tant pis, sur internet, même si je vous ai dit je suis pas fan de commander sur internet les fringues, quoi. Ouais, par rapport à moi et mon... comment on appelle ça? Ma plastique, non? Mes mensurations, voilà. C'est pas qu'il me faille du sur-mesure, mais pas loin. Je vous explique. Si je prends des robes qu'on trouve standard, soit elle n'est pas cintrée d'ici, donc ça fait tout de suite mémère, ça fait pas de forme, c'est moche. Soit, comme j'ai ça, mais j'ai des hanches, vous voyez? Soit ça rentre pas au niveau des hanches, soit... Enfin, c'est, voilà, c'est le problème. Et avec les jeans, c'est pareil. Parce que moi, j'ai des fesses, j'ai des hanches, mais j'ai une taille très fine. Et à chaque fois, c'est galère si je sais pas. Ah non, faut que je vous montre. Attention, parce qu'il y en a qui font des travaux, comme vous entendez. Il va se passer plein de trucs dans ma ville. Je vous montrerai peut-être d'ailleurs. Et ils sont en train de tout installer. Et monsieur est perturbé. T'es perturbé? Tu l'aimes, ta mère? Voilà. Donc, attends, c'est encore un peu zoomé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Par contre, ne passez pas à côté. Franchement, il va être trop bien. Tout ce que j'ai trouvé chez Maison du Monde en déco et dans d'autres enseignes, ça va être canon. Je vais également tout installer. Je pense que dans cette vidéo, bah, je vous montrerai évidemment. Et j'essaierai de mettre en situation. Comment je me la pète? Depuis que j'ai des ongles, c'est quand même... par contre, en parlant des ongles, non mais plus jamais en fait. Je me suis renseignée, 42 €. Habituellement, moi, je trouve que c'est ça, c'est dans les 20 €. Là on n'est même pas dans la moyenne haute, on est même au-dessus de là. Bon, déjà espérons que ça dure bien longtemps. Je vous laisse et j'espère que ce vlog haul vous aura plu. Si c'est le cas, et bah laissez-moi le petit commentaire, le pouce en haut et voilà. Bisous et à très bientôt. Ciao.